Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire de l'année C. Alors, nous sont proposées les trois paraboles de la miséricorde dans Saint Luc, à savoir la brebis perdue, la drachme perdue, ou la pièce de monnaie perdue, et le fils prodigue. Moi, je me propose de commenter les deux premières paraboles, la brebis perdue et la drachme perdue. Ces trois paraboles, même si je ne commente que les deux premières, font un tout, et Saint Ambroise nous explique qu'en fait, elles sont chacune une des étapes de la manière dont Dieu prend soin de nous dans notre vie. Et je lis Saint Ambroise. Qui sont ce père? Alors le père, c'est l'enfant prodigue. Ce berger, ça c'est la brebis perdue. Cette femme, ça c'est la drachme perdue. Qui sont ce père, ce berger, cette femme? N'est-ce pas Dieu le Père, le Christ, l'Église? Le Christ a pris sur lui tes péchés. L'Église te cherche, le Père t'accueille. Le Rédempteur vient au secours. L'Église t'assiste, le Père te réconcilie. C'est partout la même miséricorde qui agit, mais la grâce varie selon les besoins. Et c'est très beau ça. Voilà, c'est, on va dire, c'est un genre d'hymne à la miséricorde divine qui s'adapte à tous les moments de notre existence. Alors la première, il s'agit de la brebis perdue. Ça fait écho à la fin du plus grand psaume, du plus long psaume de la Bible, psaume 118, verset 176. David, le psalmiste, après avoir dit « Je te chante, je te loue, j'aime ta loi, j'aime ta parole, j'aime tes promesses, etc. » Ça se termine. « Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur. » C'est exactement ça, la parabole de la brebis perdue. « Je m'égare, brebis perdue, viens chercher ton serviteur. » Ou encore Jésus accomplit la promesse faite dans le prophète Ézéchiel au chapitre 34, verset 6 et verset 16. Prophète Ézéchiel, ça, voilà. Prophète Ézéchiel chapitre 34, voilà ce que dit le Seigneur au verset 6. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne ne part à leur recherche. Et puis un petit peu plus bien, au verset 16. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Donc Jésus, en reprenant ses paraboles, montre que ce qui était promis, on va dire, dans l'Ancien Testament, s'accomplit. Le Seigneur, bon berger, vient chercher la brebis perdue. On a du prix à ses yeux à tel point que, il vient nous chercher. C'est la raison de l'incarnation. Pourquoi l'incarnation? Le Seigneur est descendu pour chercher la brebis perdue. Alors on nous dit qu'il a laissé les 99 autres. Qui sont ces 99 et où les a-t-il laissés? En réalité, dans la pointe de la parabole, voilà ce que nous dit Saint Grégoire le Grand. Il a laissé dans le ciel les cœurs des anges. L'homme a quitté le ciel lorsqu'il a commis le péché, et c'est pour que le nombre des brebis fût ramené dans le ciel à son intégrité primitive que Dieu est descendu chercher sur la terre l'homme qui s'était égaré. Alors, la brebis perdue, c'est à la fois chacun de nous et l'humanité tout entière. C'est ce que reprendra Saint Luc un petit peu plus loin, au chapitre 19, au verset 10. Là où il est écrit, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair, pourquoi il est descendu jusqu'à nous. Et alors, la caractéristique du Seigneur, une des caractéristiques du Seigneur, c'est qu'il cherche inlassablement. Que ce soit la brebis ou la drachme, voilà ce qui est dit à propos de la brebis, il va la chercher, il va chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Et la drachme, avec la maîtresse de maison qui va chercher sa pièce d'argent, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dieu ne se lasse, ne se fatigue pas de faire grâce. Dieu, c'est quand on dit qu'il est longanime, ça veut dire qu'il a une patience absolument infinie, et c'est une des caractéristiques de son amour. Jamais il ne s'arrêtera de nous chercher, de nous appeler, de venir nous récupérer où que nous soyons tombés. La patience de Dieu, chantée par, célébrée, on va dire, par Saint Pierre, dans un passage assez sympathique où on dit, Saint Pierre dit, mais il y en a qui trouvent que Dieu a du retard pour accomplir ses promesses. Mais non, c'est qu'il fait preuve de patience. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Il veut ramener au ciel tous les hommes pour que la plénitude de sa création soit retrouvée. Voilà pourquoi il s'est incarné. Dans la première lettre à Timothée, Saint Paul cite son expérience avec le Seigneur comme exemple de la patience du Seigneur qui nous cherche inlassablement. Voilà ce qu'il dit, 1 Timothée 1, 15 et 16. Voilà une parole digne de foi qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Donc, l'immense patience de Dieu. En ce qui concerne ce berger qui porte la brebis sur ses épaules et qui revient tout joyeux chez lui, Saint Grégoire de Nazianze repère que ce sont ces mêmes épaules qui ont porté la croix, et c'est ces épaules saintes qui ont porté tout le poids du péché du monde et qui nous prend sur ses épaules. Il a retrouvé celle qui était égarée, il l'a chargée sur ses épaules qui ont aussi porté le bois de la croix. Et après l'avoir saisie, il l'a ramenée à la vie d'en haut. Ça, c'est la brebis. Deuxièmement, l'histoire de la pièce de monnaie. Autrefois, on disait tout le temps drachme, parce qu'en grec, il y a écrit drachme. Je vois qu'ici, c'est traduit par pièce d'argent. Bon, en tout cas, c'est pareil. Alors, on comprend bien le rapport qu'on peut avoir avec des brebis. Tout l'Ancien Testament nous en parle, les brebis, les troupeaux, etc. Jésus berger. Mais maintenant, il est question d'une pièce de monnaie. Donc, il faut se référer à la Genèse. Genèse 1, 27. Où il est dit que Dieu créa l'homme dans son icône, mot à mot, à son icône, à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa, homme et femme. Et Rashi, le grand commentateur juif de toute la Bible, dit ceci, qu'on a été créé telle une monnaie qui est frappée par une marque. On a été marqué. Quelle est la marque qui a été gravé en nous, c'est l'image de Dieu. Et on retrouve ça dans l'histoire de l'impôt. Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas payer l'impôt? Et que répond Jésus? Il dit, allez me chercher une pièce de monnaie. Luc 20, 24. Alors, ils vont chercher une pièce de monnaie et Jésus dit, c'est quoi l'icône sur la pièce de monnaie? L'image, c'est quoi? Ils répondent, de César. Ben Jésus dit très bien, la pièce de monnaie, vous la rendez à César parce qu'elle vient de César. Et sous-entendu, bien sûr, vous êtes la pièce de monnaie gravée à l'effigie de Dieu, revenez à Dieu, vous devez revenir à Dieu. Alors ici, cette femme qui représente l'Église vient chercher, l'Église dont le Christ est la tête, vient chercher cette image qui a été perdue. Et il y a une fort belle prière de Saint André de Crète qui dit ceci. Ô Christ Seigneur, je suis la drachme perdue. Pour me chercher, tu as allumé une lampe. Ben, c'est Jean-Baptiste, la lampe.
Pour me chercher, tu as allumé une lampe, Jean, ton précurseur. On peut rajouter aussi l'Église, hein, c'est la lampe allumée pour nous aider, pour aider à chercher la drachme perdue. Donc, pour me chercher, tu as allumé une lampe, Jean, ton précurseur. Restaure en moi ton image, toi, l'icône de la substance du Père. Voilà, ça, c'est la parabole de la drachme perdue, ou plutôt de la drachme retrouvée. Et il faut évidemment terminer en parlant de la joie de Dieu. Dieu qui se réjouit de notre bonheur, qui se réjouit des conversions, qui se réjouit de tous ceux qui font retour à lui. Parce qu'il faut dire que dans la Bible, dès le début, Dieu prend plaisir à notre bonheur, hein, contrairement à des idées fausses qui ont circulé, qui continuent à circuler, qui accusent Dieu et l'Église d'entretenir une espèce de tristesse coupable ou je ne sais pas quoi. Voilà ce que dit la Bible, Deutéronome 30, pardon, c'est pas de, oui, si, si, Deutéronome 30, verset 9, où il est dit « Le Seigneur te comblera de bonheur en toutes tes œuvres. » Oui, de nouveau, le Seigneur prendra plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir au bonheur de tes pères. Voilà, voilà le Dieu que la Bible nous a révélé. Et dans le prophète Jérémie, chapitre 32, verset 41. C'est toujours Dieu qui parle. « J'aurai de la joie à les rendre heureux. En vérité, je les planterai dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » C'est Dieu qui parle. Et puis Sophonie, qu'on connaît peut-être mieux, chapitre 3, verset 17. « Le Seigneur ton Dieu est en toi, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira. » C'est exactement la conclusion de ces deux paraboles et aussi de celle de l'enfant prodigue. Dieu se réjouira. Il exultera pour toi, il se réjouira comme au jour de fête. Voilà. Donc ces deux paraboles nous enseignent vraiment combien on a du prix aux yeux du Seigneur et combien le fait de se convertir ou de revenir à lui, ce n'est pas une question de morale ou d'obligation, c'est une question de bonheur pour nous et pour Dieu, de bonheur au ciel, avec toute la cour céleste. Sœur Claire, merci.